Salut à tous, c'est BZH les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride pour une nouvelle course en compagnie de notre Honda CBR Fireblade de 1995. Honda CBR 900 cm3, c'est parti pour du pilotage fun et plaisir. Ride, pour vous rappeler rapidement, pour tous ceux et toutes celles qui ne connaissent pas, qui regardent les vidéos, qui ont vu que celle-là et pas les autres, est un jeu de moto pour console et PC, hein, donc un jeu de moto arcade simulation, type moto GT, hein, donc moto de tous les jours, hein, qu'on pourra éventuellement aussi préparer, mettre en full pour pouvoir prendre plus de plaisir sur de nombreux circuits. Ce jeu est donc disponible sur Steam, hein, vous pouvez l'avoir directement. Ou commencer par une démo, hein, si vous êtes sceptique, hein, afin de pouvoir tester le jeu dont je vous incite énormément. Hein, si vous connaissez pas, vous aimez le monde du deux-roues, en tout cas, vous pourrez vous faire que plaisir avec Ride. Nous, c'est parti, on va regarder dans le World Tour, déjà la machine, hein, qu'on va pouvoir tester. Mes motos. Alors, là je vais aller dans personnaliser, mais avant je vous la présente. Hein. Donc CBR 900 RR Fireblade de 1995, puissance maximale 134,6 chevaux, couple maximal 97,3, cylindrée 893, cylindre 4, poids 183 kg. Donc là, on peut noter, hein, que la machine a déjà été préparée. J'ai juste remis l'esthétique d'origine pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi elle ressemble d'origine, hein, avant que je mette le full équipement, puisque c'est ce que je vais faire dans l'instant. On va... Non, je vais pas la vendre. Personnaliser. Puisqu'on a la possibilité de personnaliser sa machine, de la mettre en full, hein, bien évidemment, et d'enlever certains équipements qui vont vous faire sourire, hein, tels la bavette et les clignotants et les rétroviseurs. Allez, moteur, on commence directement par voir boîtier écu, hein, donc tout ça c'est équipé. Filtre à air, il est équipé aussi. Usine de tête de cylindre, un kit, hein, donc elle est équipée d'un kit aussi cylindre. Huile de qualité. Alors, l'huile de qualité, on va en mettre. Alors, petite info aussi par rapport à l'huile, pour tous ceux et toutes celles, hein, qui ne connaissent pas le fonctionnement. C'est un petit peu comme dans Gran Turismo. Alors, si vous ne connaissez pas Gran Turismo, je vous explique ça différemment. C'est-à-dire que quand vous allez rouler avec votre moto, il va falloir, vous aurez une petite jauge d'huile, en fait, qui va clignoter lorsque vous allez devoir faire votre vidange. Donc, quand vous allez faire une course de 3, 4, 5, 6 tours, ça va le faire, mais il me semble que c'est au bout d'une dizaine de tours où là, ça va commencer à devenir rouge. Donc, vous perdez un petit peu de puissance. Donc, n'hésitez pas à revenir dans le menu de préparation et de vous refaire une petite vidange directement, hein. Ça coûte quasi que dalle, hein, sans crédit, ou j'ai même pas fait gaffe. Donc voilà, hein. Et puis ça vous permet d'éviter de perdre légèrement un point ou deux en puissance, hein. Peau d'échappement, on a deux types de peau d'échappement d'origine, donc on a celui-ci, hein, tout noir, ou en titane, hein, donc enfin en alu, hein, plutôt, quoi, titane, et directement les peaux... Les pots, hein, compétition, hein, vous pouvez voir, Akrapovic, hein, carbone, hein, en alu, et une autre marque, hein, Terre, Mignogni, alors je connais pas, c'est sûrement une marque italienne peut-être, hein, donc, en tout cas, voilà, nous on va équiper du Racing Line Titanium, que j'avais déjà acheté, comme ça ça m'évitera de redépenser des sous-sous. Hop, c'est parti, on enchaîne sur transmission, vous pouvez voir, boîte de vitesse, j'ai équipé d'une boîte de vitesse déjà, donc c'est fait. Transmission rapide, c'est équipé aussi, c'est cool. Chaîne, c'est équipé aussi, nickel, pas besoin de toucher. Hop, on continue avec frein et suspension. Plaquette de frein. Alors, plaquette de frein, est-ce qu'on peut changer ses plaquettes de frein? N'hésitez pas à le faire, hein, parce que ça, c'est quand même... Enfin, de toute façon, mieux vaut préparer au mieux sa moto, voire au maximum. Après, lorsque vous faites des courses, normalement, il n'y a pas de bride, comme certains jeux, où généralement, quand vous préparez ou surpréparez trop, je veux dire, il n'y a pas de frein, quoi. Je veux dire, quand vous faites une course, vous pouvez préparer à balle si ça vous chante, hein. Je veux dire, après, il n'y a pas... Y a pas de souci, quoi. Ça bloque dans rien. Étrier de frein. Étrier de frein, j'en ai un. Donc j'ai le kit de or, voilà. Puisqu'on a bien savoir, hein, qu'il y a deux disques de chaque côté, hein, donc deux étriers. Durite de frein tressé. Alors ça, j'en avais acheté une, hein, donc une rouge. Voilà, donc sans pareil, on gagne un petit peu. Suspension, j'en avais pas acheté. Ça vaut quand même du pognon. Mais on gagne quand même pas mal. Parce que regardez, maniabilité 6-8. Et... Si je prends
la dernière, hein, je gagne quand même 7-2, donc c'est quand même plutôt important. On a en noir, ou... Bah c'est tout en fait. On a noir ou or. Ouais, bah je vais mettre en or, moi. Hop, voilà. Suspension achetée, donc elle a gagné en maniabilité, hein. Plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Apparence. Donc là, ça devient intéressant, question esthétique. Là, clignotant et plaque. Donc vous pouvez enlever, hein, bien sûr, c'est gratuit, hein, ça vous coûte rien. La plaque d'intriculation, enfin la plaque, la bavette, hein, et les clignotants, pour admirer, hein, ce splendide cul, en tout cas. Moi, je l'adore, en tout cas, c'est vraiment magnifique. J'adore tout ce qui est ces formes un peu comme ça, c'est vraiment de toute beauté. Ensuite, rétroviseur. Rétroviseur, donc bien sûr, hein, un choix de tuning important qu'on s'en foutra, parce que nous, on enlève directement les rétros, je veux pas des rétroviseurs. Levier de frein et d'embrayage, donc ça, je le rappelle, hein, pour tous ceux qui connaissent pas, on a la possibilité de changer les couleurs, bien sûr, aucun gain de puissance ou d'allègement ou de quoi que ce soit, hein, forcément, c'est juste du tuning, on s'en fout, on touche pas à ça. T de fourche, bah j'ai laissé, moi j'ai même pas touché. Même pas touché, on peut mettre deux couleurs, hein, si vous voyez, hein, si vous voulez, mais bon, moi c'est pas mon trip. Poignée, donc pareil, on peut changer les poignées de la bécane, donc après, je trouve que les poignées, bah il y en a des belles dans le marché, mais je veux dire là, de ce que nous propose, je trouve que c'est un peu ce que j'aime pas vraiment déjà dans le réel, donc c'est pas trop, à part cela encore, ça peut aller encore. Bref, on va mettre les barracuda, allez hop, comme ça on aura des poignées personnalisées. Et on termine par la livrée. Donc quand vous avez la moto, donc vous avez la possibilité de l'acheter dans le jeu, ou sinon quand vous arrivez au niveau 180 il me semble, dans le classement général, vous accédez à une course, hein, donc les courses Elite Trophy, qui eux en fait vont vous permettre de faire une course donc selon l'organisation, genre par exemple une course chrono, une course à deux, enfin ça dépend, ça peut être plusieurs types de choses proposées, et vous allez avoir le choix en gain entre deux bécanes, hein, donc après... Là par exemple, moi j'avais le choix entre la 900 CBR Air Fireblade ou la MV Agusta, et du coup bah ça a été direct, hein, là ça a été full, hein, Honda CBR direct, je me suis dit de toute façon la MV après c'est une moto récente que je kiffe pas, et puis bon quand vous avez une 900 CBR sous les yeux, le choix est vite rapide. Alors on regarde les couleurs, hein, rapidement, donc là les coloris un type d'origine, on voyait tous les beaux coloris de la gamme, pardon. Moi j'avais acheté celui-ci parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kit déco. Alors celui-là, je sais que je l'ai pas souvent vu, j'ai déjà vu une ou deux fois, hein, dans le réel. Alors celui-ci, je l'ai jamais vu du tout. Je l'ai vu qu'en photo. Mais en vrai, j'ai jamais vu dans ce kit déco là. En tout cas, il est bien sympa aussi, hein, comme ça. Moi j'aime bien. J'aime bien les coloris proposés de la machine. Ah celui-là il est génial. Celui-là il est vraiment full, quoi. Le noir et le bordeaux comme ça, sublime. En tout cas, moi, c'est fait, j'ai choisi ce kit là, le kit frais. Allez hop, c'est parti, on valide, tac, et on terminera par roue au niveau des préparations. Après, on commencera la course. Alors roue, comme vous pouvez le voir, on a les jantes d'origine, donc du 900 CBR en noir. Et vous avez la possibilité de changer les jantes, bien sûr, vous avez des coloris proposés. Donc ça c'est cool, plutôt cool, hein, puisque... en même temps, quand vous allez changer vos jantes, à savoir que vous allez gagner quand même des gains importants. Puisque là vous pouvez voir, vous allez gagner en maniabilité et en accélération. Donc là on est à 8-6 et 7-2 en maniabilité. Et moi j'avais acheté une paire de jantes qui est ici. Tac, et qui m'ont acheté, et là on voit 8-7, 7-3. Donc on gagne un point partout en accélération, enfin un point en accélération, un point en maniabilité, donc c'est toujours plutôt sympa. Et en même temps, comme vous pouvez voir, le fait de pouvoir lui mettre d'autres jantes et en blanc, tout de suite, hein, ça ressort beaucoup plus, et la moto elle est encore plus belle, hein, en personnalisation. En tout cas, moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup.
Là, là, franchement, avec les jantes blanches, hein, c'est. Enfin, je sais, ça dépend des goûts, hein, après, mais je sais que moi, sur certaines machines, hein, sur avec les jantes blanches, je kiffe beaucoup. Ensuite, les pneus, du coup, bah, on était déjà en slick, donc on va pas redescendre, hein, parce que là, vous avez que pneus de route ou pneus slick. Donc là, vous voyez, en maniabilité, c'est quand même important, hein, 7-3, donc forcément, ultime, le choix est vite fait. Allez, la moto est en full, elle est toute préparée. Donc c'est parti. On va commencer cette course hein, avec le 900 CBR. Allez, du coup, on va retourner dans le menu des courses rapides, donc le mode rapide. Donc World Tour, c'est pour avancer votre carrière, faire les courses, gagner des thunes, pouvoir débloquer des motos, continuer à avancer. Hein, donc ça, c'est le mode le plus important. Et le mode rapide quand vous voulez faire une course simple, hein, sans prise de tête, rapidement. Donc course chronométrée, hein, ce qu'on fait habituellement. D'ailleurs, on va se faire deux tours ou un tour comme ça. Et puis voilà. Option de course. Alors, on va regarder en Fantôme, oui, ça non, on l'enlève. Rewing, donc ça c'est la possibilité de revenir en arrière lorsque vous allez prendre une gamelle, donc ça on laisse un 9. Physique pro, anti-wheeling, désactivé, tête dans la bulle, manuel. Je vais le laisser automatique parce que c'est un peu chiant d'appuyer tout le temps sur le bouton. Trajectoire idéale, aucun. Transmission manuelle, TCS désactivé. Donc l'antipadinage sans vire forcément. Ensuite, changer de piste, on regarde rapidement, jette un petit coup d'œil. Hein, sur tous les circuits, alors mon circuit préféré, hein, Norwell, Galles du Nord. Alors vous avez 15 circuits hein, avec plusieurs types de pistes. Franchement bien sympa. Alors je ne les ai pas tous testés encore, hein, j'en ai testé quelques-uns forcément en avançant les courses. J'ai pas testé Manicourt et j'avais envie de le tester un petit peu pour voir justement vu que c'est un circuit français. Très intéressant. En plus, bon, bah après, je le connais hein, de nom, de réputation par rapport aux vidéos. Hein, mais bon, après, j'ai jamais eu l'occasion de rouler dessus. Donc, en même temps, bon, bah, virtuellement, ça va me permettre de voir un peu, même si ça n'a rien à voir avec le réel, bien sûr. Mais on peut quand même avoir la sensation déjà du tracé. Circuit de Grand Prix, 4 km 411. Circuit de Nevers, Manicourt. Hop, on valide. La moto, c'est good. Démarrer la course chronométrée. Donc, on va se faire un tour ou deux tours de chauffe, hein, juste histoire de voir. Et puis après, on se terminera directement par une course générale hein, avec les adversaires et tout. Donc, liant niveau difficulté, je sais pas, on va voir selon comment je pilote. Hein, si j'arrive à m'en sortir bien, et bien dans ce cas-là, je montrerai le niveau de difficulté au maximum. On va voir. Alors là, vous voyez, hein, vous avez la possibilité de tourner à fond autour de la moto, d'admirer cette super belle 3D. Alors pour ceux hein, qui ont dit que le jeu était vraiment pas très beau, je trouve que c'est vraiment exagéré, hein, parce que si vous connaissez vraiment les motos, hein, et que vous êtes dans le monde du deux-roues aussi, hein, comme moi et bien d'autres motards, je pense que enfin, vous pouvez que admirer, hein, en tout cas, la modélisation de cette machine fidèlement reproduite. Moi, j'y vois pas beaucoup de défauts, même si peut-être qu'il y en a. Mais en tout cas, je vais pas aller me plaindre, parce que le jeu est quand même vraiment très beau et très agréable pour le seul jeu de moto GT qu'on a sur le marché actuellement aujourd'hui. Je veux dire, ride quand même, et franchement, quand même, jouissif, quoi. Je veux dire, après, malgré ses petits défauts ou des petits soucis qu'on pourra y rencontrer, mais bon, y a franchement pas de quoi non plus pleurer, quoi. Option de course, non, ça c'est bon. Réglage moto. suspension. Du coup, bah voilà, hein, vu que là on a préparé. Donc on va laisser comme ça. Je vais juste. Rigidité du ressort arrière, je vais juste durcir un peu l'arrière, c'est tout, voilà. Pas se prendre la tête. Hop. Boîte de vitesse. Boîte de vitesse, rapport final, on va le mettre un peu plus court, puisque bah, le circuit fait que 4 km 411, donc du coup c'est un circuit assez court, et technique, très technique, d'après ce que je vois, donc, puisque j'ai vu aussi du réel dans les vidéos, donc je vais me mettre en boîte courte, pour être sûr. Et c'est parti. On va se faire 2-3 tours, hein, juste histoire de se chauffer un petit peu. Sur le circuit. Alors on va s'arrêter juste pour que vous puissiez voir. Les jantes par contre c'est. Ils sont vraiment d'un blanc pur chez pur. Hein, parce que là c'est. Ça pète sévère quand même.
Alors, là, je le rappelle, la moto est préparée. Hein. Je veux dire, elle est préparée en full au maximum. Tous les équipements sont mis. Donc, elle n'est plus d'origine. Hein. Juste question esthétique. Et encore, les rétros, clignotants, tout ça, tout est enlevé. Hein. Vraiment en full hein, pour le circuit. Et pour le grand plaisir. Alors, on voit la sonorité hein, avant de commencer. Oh, ce cul de ouf. On va regarder un petit peu les vues. Alors vous avez les vues éloignées, hein, si c'est vous qui faites. Vue type GoPro, on va dire sur le réservoir, hein, donc rapproché au niveau du poste de pilotage. Hein, vous voyez, vous pouvez quand même tourner la caméra. Vue du casque. Vraiment très sympa. Bah, on va faire un tour aussi comme ça avec la vue du casque pour voir un peu. Donc vous pouvez tourner légèrement un petit peu la caméra. Toujours sympa quoi de pouvoir. Vous voyez, la sonorité est différente du coup. Bon, ça c'est la vue nulle. Allez, on va se faire un petit burn pour chauffer la gomme. Arrête-toi. Voilà, donc ça, vous voyez, hein, la gomme est bien chaude là. Hein. Allez, c'est parti, on commence. C'est un virage quand même super serré et très technique celui-ci. En tout cas, je pense qu'il doit avoir moyen de le prendre bien, hein, comme tous les virages serrés. Une bonne trajectoire, le regard loin devant, tout est possible. Oh merde, qu'est-ce que je fais moi? Bon, après cette chute, hein, on va reprendre. On va reprendre ça calmement, quoi, parce que ça commence bien. Allez! Oh! Allez, hargneuse quand même! Thank you.
plutôt cool hein, comme circuit. Hein. On s'adapte plutôt bien. J'ai aucune aide, hein, je le rappelle. Aucune assistance. Mis à part le contour. Allez, dernier tour. Oh là là! Bah oui, forcément. Sortie de virage comme ça. Voilà, bon, on a fait deux bons petits tours de chauffe. Maintenant, on va tester un petit peu la maniabilité. Ah, je voulais tester un peu ses limites, voir un petit peu avant de commencer à faire des taper dans le chrono. Ah, il y a moyen, mais. Wouah! Pas évident de tenir. Ah, j'adore. Hop. Bon, on voit qu'elle est... Elle rattrape plutôt bien ses, enfin, nos erreurs, hein, je veux dire. Enfin, mes erreurs, en tout cas. Je lui en mets un peu dans la tronche, hein, histoire de... Ah. C'est un peu cherché, tout ça. Hein. C'est surtout pour bien tester un peu... Ah là là. Les points faibles de la machine. Oups.
elle lève bien en tout cas, c'est plutôt cool. Hein. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça, Castor. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire de la glisse avec? On va voir. Ouah, mais non, pas trop. Allez, c'est parti. Nous, on s'arrête là. Et on va commencer la course. Hein. On a pu se familiariser pas mal avec la machine. Boum. Allez, on s'arrête ici. Tiens, on va aller voir au stand là vite fait. Est-ce qu'on peut y aller? Ah ouais, on peut aller. Pilotage auto. On va faire un arrêt au stand. J'ai jamais fait un arrêt au stand pour voir. Allez, c'est parti. Nous, on s'arrête ici et on reprogramme tout ça en mode course affrontement. Et puis, on va mettre le niveau de difficulté à fond, hein, histoire de voir un peu si on se prend une douille ou pas. Donc, c'est parti les amis, je reprogramme tout et on se retrouve tout de suite. A tout de suite. Allez, c'est parti pour une course rapide avec donc l'IA. Donc, on va tout de suite aller dans options de course pour que je puisse vous montrer un petit peu hein, comment ça va. Enfin, comment je vais procéder. Alors, tour, il y en a 6. On va mettre 4 tours. On va mettre 4 tours. Difficulté, c'est là que tout va jouer. Donc, je remonte les niveaux de difficulté qu'il y a. Très facile. Facile, moyen, difficile, réaliste. Donc voilà pour les niveaux de difficulté. Et moi, je vais le mettre en réaliste. Puisque je n'ai jamais testé le mode réaliste. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être me prendre une tôle, il y a de fortes chances. Rewing 9, donc la possibilité de revenir en arrière, ça je vais laisser. Physique Pro, anti-wheeling, tout ça, vous voyez, désactivé. Juste tête dans la bulle, je vais laisser automatique. Trajectoire idéale, aucun. Transmission, ok, tout est bon. C'est parti, réglage moto. Alors, boîte de vitesse. On va descendre un petit peu. Rapport final, on va le mettre à 1. Vu que le circuit il est quand même technique et il n'y a pas trop de lignes droites et que la moto on va dire a tendance à... Enfin elle a une boîte assez longue quoi, je veux dire donc mieux vaut exploiter au mieux son axle. Donc on va tester, on va bien voir, espérons que ça le fasse. Confirmer les modifications, oh, yes, oui. C'est parti, suspension, je voudrais juste durcir la rigidité arrière d'un point, donc à 3. Voilà, donc vous voyez les réglages sont très simples, hein, je veux dire tout est expliqué sur la droite. Et si vous connaissez pas la mécanique, et ça se fait généralement, c'est très simpliste, hein, on va dire, le réglage dans Ride, il y a vraiment rien de compliqué. Grid départ, qu'est-ce qu'on a? Alors du coup, face à moi, j'ai donc, ok, RVF750, RC, et l'ATC1DES, donc voilà les concurrents, le premier c'est ça, moi je commence en 8ème position. Donc c'est parti, niveau difficulté, je le rappelle, c'est en mode réaliste, donc balèze. Espérons que ça le fasse. Allez, c'est parti, concentration, 4 tours, en full, sans aide, sans rien, comme ça, à l'arrache. Allez, 1, 2, go. Oh, enfoiré! Oh non! Bon, j'ai peut-être un petit peu trop surestimé ma boîte de vitesse. Réglage moto, donc comme vous pouvez le voir, un petit peu trop de frites. On va la remettre à 2, hein. Gentiment. Oui, puisque là, c'est un peu trop de patates pour moi. Hop, course, c'est parti. On relance et c'est parti. Allez. Thank you.
Oh, enfoiré! Pff, n'importe quoi, n'importe quoi. Faut tenir. Le regard loin devant, très important. Hein. Faut jamais oublier. Hein. Toujours regarder loin devant. Oh là 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 là, maman mia. Oh non. C'était involontaire. Hein. Oh non, bah voilà, ça m'apprendra ma bêtise. Ah le... Je suis vraiment désolé. Ah. Oh non! Oh.
serre les fesses. Ça rentre derrière. Je vous confirme. Enfoiré, comment il me met du stress. Du bon stress. Oh. Pas ce virage, hein. Je suis en mode chevalier là. Oh, mon moteur il va exploser là. Pauvre CVR. Yes! Et voilà! Et voilà les amis, après une dure bataille, 4 tours, en mode réaliste, hein, le niveau de difficulté le plus raide du jeu, sur un circuit dont je ne maîtrisais pas spécialement, puisque bon, j'ai pas trop eu l'occasion de tourner dessus. Hein. En tout cas, je trouve qu'il est quand même. Bon, on l'apprend rapidement, hein, comme vous avez pu le voir, en 2-3 tours. Via le circuit est plutôt cool. Je suis même étonné d'avoir réussi en réaliste, je pensais pas que. J'aurais pu réussir. Dernièrement, j'étais en moyen. Je galérais déjà à mort, chez à mort. Bah après, ça dépend des circuits, des modes que vous avez. En tout cas, il y a des courses, qui, par exemple chrono, où là, par contre, je pense qu'en réaliste, je peux me brosser. En tout cas, c'est vrai que certaines courses, parce que j'avais déjà réussi une autre en difficile comme ça, c'était sur bah, Norwal, mon circuit préféré. Il faudrait que j'en refasse une aussi dessus en super réaliste, comme ça, avec... avec des catégories toujours très sympas. En tout cas, comme vous avez pu voir, hein, cette 900 CBR RR est plutôt vraiment géniale. Moi, je retiens que des points positifs. Bon, c'est vrai qu'elle est un petit peu lourde, mais en tout cas, comme vous voyez, en tout cas, je vais juste remettre le replay, excusez-moi. Alors, vous avez vu, hein, là, j'ai gagné 1500 crédits en mode rapide, hein, donc c'est pas la carrière. Donc, on gagne aussi de l'argent comme ça quand vous faites... des courses en mode rapide, et ça c'est plutôt cool. Donc ralenti, pour qu'on puisse un petit peu voir rapidement. Donc vous voyez, en ralenti vous avez plusieurs types de modes, vous pouvez accélérer au choix. On va remettre à la vitesse normale. W pour passer dans les pilotes, on a aussi la touche 0, c'est quoi ça? Ah ouais d'accord, c'est pour passer de pilote en pilote. Alors maintenant pour retrouver mon pilote, ouais c'est... Non, c'est pas lui. Oh, mais je suis où, moi? Moi, j'ai pas de bavette, donc... bah, c'est pas grave. Vous allez sûrement voir un touriste là-dedans qui roule à l'arrache. Ah bah tiens, je me vois, ça y est. Pilote, hein. Hop, Vince, voilà, yeah. Bon allez, je vous laisse regarder un petit peu ce replay, hein. Ah, vous voyez, les replays sont franchement bien faits, bien foutus, bien réalistes. En tout cas, j'aime beaucoup les re-regarder, hein, pour pouvoir voir mes erreurs et aussi mes beaux passages, afin toujours plus m'améliorer à chaque fois, à chaque course.
En tout cas, moi, je retiens que du plaisir pour Ride. Moi, c'est un jeu que j'aime énormément. Et que, je veux dire, malgré ses petits défauts, hein, comme tout jeu, hein, je veux dire, après, ça reste quand même une base vraiment géniale, vraiment très sympa. Et franchement, je suis vraiment content, je regrette vraiment pas mon achat. Malgré les petits soucis, les petits défauts, hein, mais bon, comme dans tous les jeux, en tout cas, pour ce nouveau jeu de moto GT qui vient d'arriver aujourd'hui sur le marché, disponible à tous et à toutes, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de quoi se plaindre quand même, quoi. C'est quand même un super bon jeu, vous avez des très bonnes motos, et je pense que vous pouvez vraiment prendre énormément de plaisir avec ce jeu, hein, on pourra considérer comme arcade simu, hein, puisque... similaire un peu à la question, mais en tout cas... vraiment super sympa. En tout cas, on se fera d'autres courses, hein, bien sûr, sûrement avec le CBR900RR, donc en mode World Tour. Hein. J'avance petit à petit au niveau carrière, hein, je me prends pas trop la tête, moi j'aime bien faire surtout du chrono et du mode rapide comme ça, je trouve que pour bien connaître les circuits, prendre beaucoup de plaisir au niveau du temps et tout, hein, je pense que c'est là le mieux. Oh là là. Vraiment, vraiment bourrin. Alors je freine beaucoup de l'avant, hein, c'est pour ça qu'elle a tendance à sauter, hein, normal, je freine quasi jamais de l'arrière, tout simplement. Je freine quasi tout le temps de l'avant. On va dire 70 de l'avant, hein, 30 de l'arrière, et encore 30, c'est un bien grand mot, hein, moi je dirais plus 10, 90 de l'avant pour moi et 10 de l'arrière, parce que c'est vraiment en cas d'extrême nécessité, hein, sinon voilà. Allez, voilà pour ce tour, hein, de replay les amis, je vous dis à très bientôt, de toute façon on se retrouve très prochainement dans bien d'autres vidéos sur Ride, hein, puisque je continue en même temps, hein, ces tests, démonstrations, un peu l'arrache, de toutes les motos, hein, du jeu, de façon à ce que vous puissiez voir vraiment moto par moto, hein, et puis en même temps parler un petit peu de tout, hein, sur ces belles machines en tout cas. Hein. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour cette 900 CBR RR que j'ajoute avec grand succès à ma collection, et franchement une moto très fun et très plaisante, hein, je veux dire. Vraiment une machine géniale. Au niveau de la sonorité, pareil, hein, vous avez pu le voir, bon, même si c'est pas tout à fait... proche non plus, enfin, plus la perfection de la réalité, mais on va dire c'est quand même plutôt cool, je veux dire, on a quand même une belle sonorité, certaines machines en tout cas, que du plaisir. Les amis, je vous dis à très bientôt, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous et à toutes.